Bonjour, chers téléspectateurs de Numérica Télévision, particulièrement de votre émission 1001 Visages. 1001 Visages, comme d'habitude, chaque jeudi, on se retrouve ici pour vous parler ensemble avec vous et nous et de ce qui est de l'art dramaturge en RDC. C'est vrai que Tobé Tarali Solo, Tobé Ngakomine, théâtre, Maboké, cinéma. Pour plus être plus clair. Et donc, pour aujourd'hui, je suis avec un confrère, un ami, et qui est parti il y a un bon bout de temps à l'étranger. Il était en Afrique du Sud, mais Aza déjà à Kinshasa. Et de l'autre côté, déjà, il est en train de réaliser séries télévisées, tout ça. Donc, avec lui, nous allons parler la réalisation et s'il y a cinéma. Et puis, comment ça se passe de l'autre côté? Parce que nous avons remarqué, aujourd'hui, nous avons les cinémas, cinéma en Hollywood, qui est pratiquement compté parmi le cinéma mondial, aux Alines Afors. Et puis, nous avons remarqué aussi Bollywood, tout ça. Mais en RDC, nous sommes en train de régresser. Lui, comme il est de l'autre côté là-bas, nous allons parler avec lui, il va nous expliquer c'est quoi, en fait, le problème où il s'est raqué, le cinéma, c'est parce que. Et ça, la Maranalinga, là, où ils sont pas, ils n'ont pas été, nos acteurs, excusez-moi le terme, ils n'ont pas été bien formés, parce que tout le monde a même sous baza formé, mais nous, peut-être pour nous, on se dit qu'ils sont bien formés, mais ils sont pas bien formés ou quoi. Donc, avec lui, Toromega Koyeba, parce que lui, il a eu à assister là-bas, activité Bélé Bélé et Salamaka, de l'autre côté en Afrique du Sud, où les grandes entreprises et cinéma, Baya Kaponako, Telkaba, film na bango et la chaîne permine ni un monde au Baka Kozuawana pour que Baka Neko diffuse et pas na bango. Donc nous allons parler de tout ça. Bonjour David. Bonjour Blaise Kinsala, mon ami. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci de m'avoir reçu sur ce grand plateau de Numérica. Numérica Unicorn École. Qui bat Michine en pointe. Rachel Kishidayebi. En tout cas, merci. Nous sommes là. David, c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, et David Azali plus na réalisation et cinématographique, donc production et plus quand j'ai dit cinéma, donc on voit les documentaires, tout ça. Exactement. Et comment d'abord pour aller pour nous éclaircir, David, comment tu t'es ici en RDC, vous avez toujours dans le monde des médias, mais arrivé là-bas, comment il s'est fait que au commun monde des cinémas? Oui, j'étais dans le monde des médias parce que après ma sortie de l'ENA, parce que je suis un ancien de l'ENA. Ok. Alors, je voulais quand même embrasser cette carrière vidéographique. Ok. Alors, comme il n'y avait pas d'autres options, alors je me suis dit que je commence quand même par ce qui existe. Et ce qui existait à l'époque, c'était la télévision. Alors, comme vous le savez, on a commencé pas mal à créer des émissions, à donner des petites directions, mais cette option-là de faire le cinéma brûlait toujours en moi. Alors quand j'ai eu l'occasion, il y a aucun des Afrique du Sud, j'ai vu le terrain et j'ai trouvé que c'est open, donc c'est ouvert pour exercer ce métier. Alors je me suis renseigné, j'ai pris des contacts et Dieu a fait grâce. J'ai commencé aussi à produire et aussi à vendre. Donc c'est un peu ça. Alors, par rapport à ce qui concerne le cinéma, tel que peut-être que beaucoup de gens l'ignorent, le cinéma n'est pas seulement le fait de prendre sa caméra, dire action, après aller au poste production, monter, après chercher. Non, le cinéma, c'est une industrie. Donc, quand on dit industrie, cela veut dire que non, il y a tout un tas d'infrastructures qui sont mises en place afin que cela puisse bien fonctionner et qu'il y ait de la continuité. Pourquoi je dis cela? Parce que la société telle qu'elle est organisée, la société a besoin d'employer les gens. Or, pour que la société puisse employer les gens, il faut que ces gens puissent d'abord suivre une formation. Alors, en ce qui concerne maintenant l'industrie du cinéma, il faudra que des gens qui sortent de quelque part, raison pour laquelle il y a des instituts comme l'ENA, qui forment des gens par rapport à cette industrie, par rapport à ces canaux. Vous comprenez? Maintenant, il faudrait maintenant que, nous déplorons, le gouvernement qui est censé à tout orienter pour tout le monde, c'est le gouvernement qui devait maintenant assurer que cette industrie qui est le cinéma
puisse aussi exister comme il faut, comme ça se passe aussi na ba mboka onga na benga ba mboka moko ya ba tout normal. C'est vrai que la plupart des personnes, quand ils viennent de l'étranger, ils ont tendance à s'acharner directement au gouvernement. C'est vrai que nous allons parler par rapport à l'apport et au gouvernement, oui, finalement des cinémas. Mais et David, c'est vrai que parmi parfois ils disent ça mongo na 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 le gouvernement américain, il y a leurs il y a des côté cinéma. Oui. Et puis en Afrique du Sud aussi, est-ce que leur cinéma les a évolués ou bien, parce que nous comme nous ne sommes pas un pays anglophone, nous avons tendance à suivre plus des films. Exactement, yeah. Yeah. Oui, exactement. En Afrique du Sud, l'air cinéma est évolué, mais ce n'est pas évolué dans le sens externe. C'est beaucoup plus interne, parce qu'ils se disent que cherchons d'abord à vendre à l'intérieur. Si on trouve qu'à l'intérieur, on ne vend pas, ou bien si on trouve qu'à l'intérieur, il n'y a pas assez de preneurs, ce n'est qu'alors qu'on peut maintenant étendre les marchés du cinéma sud-africain. Mais ils ont trouvé que chez eux-mêmes, ça se porte très bien. Les acteurs qui se produisent là-bas, que ce soit dans le film, dans la musique vidéo, ils se retrouvent déjà à partir de ce qui est vendu en Afrique du Sud. Okay. Vous comprenez? Maintenant, on cherche maintenant à étendre des fois, peut-être, si vous voulez, peut-être vous faire connaître ailleurs. Okay. Et par rapport à ça, si ils y sont aussi dedans, mais ici donnent beaucoup plus à la production locale, okay, produite pour le Sud-Africain. Okay. Parce qu'ils se disent que non, notre peuple a besoin d'apprendre de nos histoires, a besoin de danser de nos danses. Donc dans ce cas, ils ont la chaîne thématique par rapport à Babylone. Exactement. Il y a des chaînes thématiques où du matin au soir, okay, vous ne verrez que des programmes sud-africains. Okay. Pas même programme autobiographique, bah western programme, aux musiques, aux films, là-bas. Tout ce qui est sud-africain, c'est primordial d'abord. C'est d'abord sud-africain d'abord. Okay. Vous comprenez? Mm. Et c'est un système, moi je trouve que ça va permettre à ceux que nous au Congo, si on prend, bien sûr, on adopte ça, on va peut-être commencer peut-être à aimer notre pays. Okay. Et parce que quand je suis revenu, je vis presque dans toutes les maisons, les novellas, on est en train de se perdre. Bientôt là, peut-être que l'INA pourra fermer. Okay. Parce que, bana oualise, azobimisa. Parce que c'est quand il y a un display été. Parce que c'est quand il y a un relais, c'est pas talent. On peut faire plus que les novellas là. On peut faire plus que les films La vie est belle, les prouve. Okay. Le film Mon en Soussou, le prouve. Le film Gouverneur sans habits. Les habits du gouverneur, le prouve. Il y a tant de films. Alors nous, maintenant, qui avons compris cela, on s'est dit, non, on ne peut pas seulement faire ici en Afrique du Sud. Il faut qu'on rentre au pays et c'est un peu de partager cette expérience avec les amis. Et aussi faire fort aussi aux responsables, qui est le gouvernement. Guys, please, tous ceux qui n'ont pas de boulot, tout sauver la situation. Donc c'est un peu ça. S'il faudra, c'est que tout le monde, c'est que notre cinéma soit connu au niveau de l'extérieur, nous devons d'abord travailler au niveau de l'intérieur. Okay. Donc, merci beaucoup, David. Nous allons continuer pour essayer un peu d'illustrer ce que nous sommes en train de parler. Mm. Et Fiston Panzou, on va nous balancer un extrait. Il y a Moko, il y a ma réalisation, et il y a David de l'autre côté en Afrique du Sud. Juste l'extrait, on se retrouve tout juste après. Thank you.
Chérie, Evelyne, ma femme, hey, Evelyne. Patrick. Ça va? Viens, on part à l'hôpital, chérie. Non, je ne saurais pas. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Patrick, pardonne-moi pour le travail que je t'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, on se rappelle à dossier pour nous, là-dedans. Si, si, je me rappelle bien. Il y a de la soie qui est la bombe qui est pour la maman, là-dedans. Evelyne, viens, on part à l'hôpital, chérie. On va bien. Problème, ça fait. Non, dis à Abigail que je l'aime beaucoup. Oui. Je n'étais pas une bonne mère pour elle. Evelyne. Oui, merci beaucoup David. Wana Isali réalisation d'autre côté en Afrique du Sud, mais Isa Nalingala, est-ce que langue ça pose pas problème? Jamais, la langue n'a jamais été un problème dans le cinéma, bien dans l'art. Okay. Vous comprenez? Parce que il faut que les gens, que nous, parce que nous les Congolais, nous avons un peu notre façon de réfléchir. Okay. Qui est totalement différent. Il y a Batunyo Samukili. Il y a une différence entre une langue et un langage. Okay. Le cinéma, c'est un langage. Okay. Cela veut dire, cela n'a pas d'expression. Okay. Ça peut être fait à Kikongo, à Kishwahili, blablabla. Ce qui importe, c'est juste, il faut respecter les normes universelles. Okay. Ce sont par rapport à ces normes universelles-là que non, ton film, même si tu fais ça en chinois, les gens qui sont en Inde, ils auront besoin de voir quel film. Et si tu peux nous citer attends, un ou deux normes universelles ou anaza, okay. C'est le timing, c'est quoi en fait? Ok, les normes universelles, c'est d'abord un, par rapport au script, par rapport à l'histoire écrite du film. Okay. De deux, c'est par rapport au frame. Au frame, cela veut dire les prises de vue. Okay. Vous comprenez? Parce que ce que j'ai remarqué et en étant à l'extérieur et voyant la plupart des œuvres que nos amis font, ce qu'on appelle communément théâtre, okay. qui n'est le même pas, au moins, rara, depuis que la prise de mon corps, 5 minutes, car la prise de mon corps. Alors, ce sont des facteurs qui font à ce que, même si vous prenez les mêmes produits-là, même peu importe la qualité de l'histoire, vous allez submettre ça quelque part. Ils vont refuser ça parce que les frames ne sont pas respectés. Parce que à travers le frame, les frames en français sont comme quoi les frames, donc, comment plan moyen, plan d'ensemble. Donc, ça veut dire, non, il faut qu'il y ait une succession de frames. Frames, hein, donc. Les dimensions. Non, non, les carrés là de l'écran. Il faudrait qu'il y ait toujours divergence de frames. Ça veut dire, un moment, vous prenez la même personne. Plan large, dans le même dialogue. Ok. Sur un plan large, un plan d'ensemble, tout ça et ça. Au plan américain, un autre point, c'est maintenant le travail qui reste maintenant dans la post-production. On a le besoin de la généralité. Checker maintenant les détails. Comme mon prof, il aimait toujours Elbas. Soigner toujours les détails. Cela veut dire. Au niveau de la post-production, c'est là où maintenant c'est déterminé pour le futur du film. Okay. Je sais donner deux fois, tu verras des films peut-être avec des grands acteurs. Mais quelque part, il y aura moins action qui est Bimaki. Quelque part, on aura une prise, il y a caméra, il y a beaucoup de secousses. Au moins, mon micro est coté. Babio, que nous soyons là, maintenant, nous avons réunité votre film. Attends, nous sommes là, nous n'aka nulle part. Mais Mounoko Obasa Koloba, ce n'est pas ça qui est une frontière, bien une barrière. Jamais. Mais est-ce que langue, il y a des traductions, non? Oui, oui, oui. Il y a des traductions, il y a des agences, eux, ils sont spécialisés. Quand ils voient que
votre film que vous avez fait est respecté par normes non universelles. Eux-mêmes pourront prendre en charge, il y a qu'au traduire en haut, en français, les télénovelas que nous aimons ne sont pas faites en français, ni en anglais, ils ont fait en portugais, en espagnol, mais puisque ils ont respecté les quatre points cardinaux, il y a cinéma. Bah, vas-y, on va dire que non, par rapport à la qualité, ceci. Maintenant, la langue qu'il faut par rapport aux viewers, par rapport aux téléspectateurs. Raison pour laquelle peut-être vous les regardez en français, il y a d'autres personnes qui regardent ces mêmes novellas en portugais, qui regardent ces mêmes novellas, même aussi peut-être en swahili, bien à yoruba, on ne sait jamais. Donc, la langue, please, vous dites qu'on m'attaquait, qu'on stressait, pas. Oh non, enlevez français bien, non. Si un narrateur n'arrive pas à faire son film en français, laissez-le faire ça avec son lingala. Bien, faites tous ces films en lingala. Donc, ne vous complexez pas que non, français, non. La langue, ça se détermine par rapport au preneur. Okay. Si vous pouvez peut-être vendre votre film et qu'il est aux États-Unis, vous avez besoin d'un français, bien, quand même, vous faites ça à lingala. Donc, parlons de preneurs, et David, vous avez des programmes, des projets et à co-réaliser. Parce que les mêmes acteurs qui vous avez réalisé des films de l'autre côté en Afrique du Sud, maintenant vous allez réaliser des films ici en RDC qui sera peut-être diffusé et la TV5. Oui. Et donc TV5, c'est parmi les preneurs Oyo universel Oyo Azokaba film, mais il faut respecter. Faut seulement respecter. Je crois que vous pouvez vous renseigner avec les amis de Pangami. Okay. Ils vous diront la même chose, qu'il faudrait juste respecter les normes universelles. Cela veut dire, vous checkez votre qualité de son. Vous checkez la qualité de l'image. Okay. Et pour paraffer tout maintenant, vous checkez, vous devez aussi tenir compte aussi du jeu de l'acteur. Okay. Parce que, en fin de comble, c'est ça qui fait vendre aussi. Okay. Alors, par rapport au projet que nous avons, déjà les contacts sont établis. Okay. On a déjà les faits verts de réaliser quelque chose. Parce qu'il y a déjà un preneur. C'est l'une des raisons de ma présence ici à Kinshasa. Okay. Et c'est un peu de faire quelque chose avec les amis afin qu'ils soient vus aussi au niveau international. Et je crois que cette expérience, ça servira peut-être à d'autres gens à emboîter les pas. Parce qu'on ne doit pas continuer à produire des milliers de films, mais qui ne s'arrêtent qu'au niveau de la communauté. Et les contacts là, ça a été pris comment? Les réalisateurs, les chaînes là, il y a eu de la télé. Les contacts, ça a été pris à travers. C'est comme un salon des producteurs. Okay. Ça se passe une fois l'année en Afrique du Sud. On appelle ça Discop. Okay. Et dans ces salons-là, il y a des grandes chaînes nationales, privées, qui viennent pour vendre leurs produits. Okay. Et aussi pour acheter aussi d'autres. Mais c'est moi que j'ai eu déjà assisté 4 fois à ce salon de producteurs. J'étais curé de voir d'autres chaînes, d'autres pays africains nationaux, mais je n'ai jamais vu notre chaîne nationale. Dans notre chaîne nationale, la jamais marquer sa présence, même avec des produits cinématographiques, documentaires, des Congolais qu'ils ont réalisés et qu'ils leur ont confié. Pour venir présenter ça, peut-être ils pourront trouver des distributeurs qui pourront acheter cela. C'est moi que peut-être la FTGA, BIWA, Numérica, peut-être que je souhaiterais un jour qu'ils viennent. C'est gratuit, c'est juste un petit frais d'enregistrement et vous serez là, exposer vos émissions. Ils peuvent aussi acheter vos émissions de Numérica, surtout que c'est bien fait dans de très bonnes conditions, le son est impeccable. Yeah. Numérica peut envoyer des gens dans ce Discord avec des émissions bien faites, bien calculées, le timing est respecté, tout est bien fait. Donc c'est comme ça que c'est à travers ce salon que j'ai fait la rencontre pour une deuxième fois avec les représentants de TV5 et j'ai parlé avec eux. Ils ont dit ceci dernièrement parce que j'avais produit une série Alvina. Je crois que peut-être qu'on pourra mettre l'insertion de cette série qui est passée sur la RTGA il y a 3 ans. Ils m'ont dit ceci, que nous TV5 nous sommes pour la promotion de la langue française. Ta série là, Alvina, on a vu l'histoire, c'est bon, mais c'est moi qu'il y a un petit problème. Il y a un mixage de langue, il y a l'anglais qui intervient à tout moment
Alors nous ne voulions pas faire la partie. Ça a été tourné en Afrique du Sud. Oui, avec oui, des oui, acteurs oui. Au bazar habitués. Oui, exactement. Bon, ce n'était pas seulement ça le problème, mais c'était un choix qui dépendait de moi. Okay. Moi, j'ai pensé que ça va, on fait un truc francophone en Afrique du Sud, mais juste pour justifier que cela est fait en Afrique du Sud, qu'on glisse quelques mots en anglais, et ainsi de suite. Vous comprenez? Et c'était, et cela a été une grande erreur. Okay. Et ils m'ont demandé que ne te décourage pas, fais maintenant quelque chose 100% français. 100% français. Et quand je dis 100% français, cela ne veut pas dire que toi, acteur qui joue dans ces projets, tu dois parler français plus que ces français-là. Non. C'est impossible. La français, plutôt, le français n'est pas notre langue. Il faut juste parler un français qui respecte juste les normes. Cela veut dire que les articles soient respectés, que la logique dans le parler soit respectée. Et c'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent. Mais en ce qui concerne la tonalité, ou bien quoi encore, je ne sais pas quoi, cela n'importe pas. Okay. C'est que non, que ton français puisse avoir moins de fautes d'orthographe. Okay. Et on va corriger les restes. Merci beaucoup, David. Comprenez, il est habitué en anglais, en bango, puisque vous êtes habitué en ning, en abiso, en linga, en abiso. Donc, il est parti depuis un bon bout de temps. Nous allons rentrer encore de côté de la régie et avec le réalisateur Fiston Panzou. Nous allons prendre le deuxième extrait et on se retrouve tout juste après. Merci David, pourquoi en fait les Sud-Lois c'est le groupe, c'est ça signifie quoi en fait? Oui, les Sud-Lois c'est le nom du groupe. Ok. Et j'ai pensé trouver un mot comme nous le Congolais, nous aimons les mots, nous aimons les noms. Ah, je me suis dit, bon, quel est le nom que je pourrais donner à ces groupes afin qu'on puisse un peu s'identifier? Parce que okay. Quelque part aussi, c'est très important dans le monde artistique okay. De s'identifier. Okay. Alors je me suis dit, bon, quel est le nom qu'on peut donner aux gens qui habitent l'Afrique du Sud? Okay. Les Sud-Africains? Non. Je sais, les Sud-Lois, c'est... Ah non, Quinoa, ah non. Ah, j'ai dit, non. Donc c'est le Sud... Des lois. Donc si des lois. Okay. Donc comme on dit quinois, okay. Chinois, bruxellois, okay. Non, je vais nommer ça les si des lois. Alors, donc c'est ça, le nom du groupe. Okay. Et bientôt là, je crois, le 26, si vous le permettez, je pourrais le dire, le 26 mai. Mais okay. Ça sera un dimanche. Nous avons un casting. Hein, ceux-là qui veulent utiliser les talents ou bien peut-être avoir un encadrement à travers nous pour qu'ensemble nous puissions rendre tourner des projets. Donc ils sont les bienvenus le dimanche 26 mai. Okay. Donc ils sont les bienvenus, c'est juste là à Bandal Chubangu. Okay. sur arrêt bloc. Okay. Et vous verrez une terrasse là écrite
Ou carrément qu'ils m'appellent alors. Ou carrément qu'ils appellent Blaise et va vous orienter par rapport à l'adresse quoi. Okay. Et l'agence SMAF Media, SMAF c'est la profession de quoi? Un SMAF ça mine South Africa, South SMAF, South Movie Africa. Okay. Donc c'est une agence que j'ai créée en 2012. Toujours dans cette perspective-là aussi, d'apporter aussi ma pierre à ce qui concerne le cinéma sud-africain. C'est juste que je n'ai pas eu la chance de retrouver l'un des extraits de mes films que j'ai réalisé en Afrique du Sud. Mais peut-être même bientôt, prochainement, je pourrai encore revenir ici avec ces extraits-là. Donc c'est par rapport à cette idée que j'ai créé l'agence, afin aussi... d'esprit, parce que moi je suis congolais, mais la plupart des films que je réalise en Afrique du Sud, ce sont des histoires sud-africaines. Okay. C'est juste pour comprendre que non, un artiste, hein, tu peux pas avoir peur. Tout ce que ils utilisent comme langue, je n'écoute rien, je ne comprends rien, mais c'est moi qui les dirige. Okay. Vous comprenez donc, c'est pour vous dire que non, réalisateur, acteur, que la langue ne soit pas un obstacle pour vous. David, c'est vrai que nous sommes en train de chuter déjà, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission, mais nous allons rentrer de côté de la régie. Il est temps pour nous de donner encore plus de précisions concernant le casting. Pour le recrutement, casting, il y a Obozo Lingabo réalisé à Kinshasa pour que Mbope Sapé et. Chance n'a pas, on a besoin, Batalama est sur le plan international. Et nous allons rentrer de côté de la régie, nous allons clôturer avec vous. Fiston, pas nous balancer ce dernier extrait et on se retrouve tout juste après. Soit que les meilleurs élèves d'Afrique et du monde entier. Donc si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Félicitez-vous. Nous formons ici des intellectuels de demain, des jeunes cadres dynamiques. C'est pourquoi... Bonjour, monsieur. Mademoiselle, tenez-vous debout. Pourquoi êtes-vous arrêté à mon cours et qui vous a demandé de vous asseoir? Mademoiselle, j'attends une réponse de vous. Désolé, monsieur. Désolé de quoi? Je me suis perdu en venant. Je suis la nouvelle élève, Albina. Je ne connaissais pas ici. Je m'en moque que vous soyez ancienne ou nouvelle. Que ce soit la première et la dernière fois que vous arrivez en retard à mon cours. Règle numéro 1. On ne vient pas à mon cours en retard. Règle numéro 2. Chacun de vous doit avoir son livre. Voilà. Oh, ok, c'est... Attends, on va chercher ça. Économie, hein. Économie. Ah oui, merci. Là, c'était Alvina. Oui, ça, c'est la série Alvina. Ok, la série Alvina avait combien d'épisodes? La série Alvina, c'est plus ou moins 12 épisodes. Ok. Donc, ça, c'est une combinaison de différentes cultures. Okay. Donc, il y a des Ivoiriens, il y a des Camerounais, il y a des Sénégalais, il y a des Congolais, de tous les francophones. Donc, j'ai créé cette série Alvina afin de permettre à tous les francophones qui vivent en Afrique du Sud, de pouvoir s'exprimer. Okay. Et la plupart d'eux, ils n'étaient que des étudiants. Okay. C'est moi qui ai fait d'eux des acteurs. Okay. C'est juste pour vous dire que même si tu ne veux pas aller à l'INA, mais il y a des gens avec la connaissance que Dieu a mis en eux, ils pourront toujours vous encadrer. Okay. Mais s'il arrive que vous avez les moyens, c'est toujours bon d'aller toujours quelque part et aussi être aussi formé d'une façon professionnelle et aussi intellectuelle. Donc c'est un peu ça. Et Alvina, c'est une série qui parle des étudiants qui sont allés faire les études en Afrique du Sud. Mais l'histoire, c'est autour d'une fille qui a falsifié
son identité. C'est la fille là en petite culotte. Elle vient d'une famille pauvre et elle s'est fait passer pour une fille qui est d'une famille riche de son pays. Okay. Et tout le monde lui respectait par rapport à ça. En tout cas, David, c'est vrai que l'histoire est précipitée déjà pour ces Rolandais. Nous allons croire que peut être réalisé ici à Kinshasa. Avec des acteurs. D'accord, à dispo. Nos numéros sont là. Contactez-nous. Nous allons vous donner le rendez-vous pour le 26 mai. Quand Kassim Yamouné Notorosala, David avec l'agence SMAF Media, qu'on a organisé, ici à Kinshasa pour qu'on a réalisé. Un dernier message, David, pour ça. Oui, un dernier message. Je donne d'abord mes encouragements à tous les étudiants et étudiants de l'INA. Ne baissez pas la garde. Bien qu'aujourd'hui, ce que vous faites n'est pas reconnu, n'est pas encouragé, mais tenez bon, bientôt là, c'est pour bientôt. On aura des hommes sérieux qui vont comprendre que l'industrie cinématographique peut remporter plus que même les diamants, peut remporter plus que même le coltan, peut remporter plus que toutes les richesses minières. I'm telling you, parce que parmi quand je dis cette industrie, je suis en train de la lier à la culture. Okay. Ça veut dire il n'y a rien qui fait vendre plus que la culture. Donc, s'il vous plaît, à vous qui me suivez, vous, autorité, ministre de la culture, ministre de la jeunesse, s'il vous plaît, faites tout ce qu'il faut afin que Bana Obazo de Manabaina, Bana Obazo de l'Académie des Beaux-Arts, va trouver sens et études dans Bango. Sinon, à la fin de l'école, on dira à quoi sert d'étudier à l'INA, à quoi sert de faire l'Académie des Beaux-Arts, s'il n'y a pas de plateforme dans lesquelles tu vas te retrouver. Parce qu'on ne fera pas ça pour gratuit, pour le plaisir. Ah, je joue bien, j'ai dessiné bien. Non. Il faut qu'il y ait des plateformes qui sont prêtes à acheter pour encourager comme cela s'est fait en Afrique du Sud. Donc, ça c'est un message. Merci à toi, Blaise. Merci au boss, au Quatip, le boss qui bat Michine, toi. Et merci aussi à tous les agents de Numérica. Qui, après toutes ces années, ils m'ont encore accueilli comme un enfant de la maison, parce que je suis de la maison. Donc, ma solo à Numérica, donc, laisse que ça la yébi. Donc, merci, c'est un peu ça, quoi. Merci à toi, Eric, normal à nous. Merci. Un grand bonjour comme ça à le président Tapi de Toulou. Et merci, président. Et à Piston Panzou, salut à toi. Merci aussi à Tati Kassa de notre côté de la régie. Vous avez aimé, vous avez apprécié. Donc, pas de nous contacter, nos numéros sont là, contactez-nous pour que vous ayez ça là avec vous pour la bonne marche et l'industrie cinématographique ici en RDC. Merci beaucoup, on se retrouve à la semaine prochaine toujours sur Numérica Télévision. Bye bye, thank you.